Salut tout le monde. Là, préparation galette des rois. Alors, viande des trucs comme ça, moi j'en prends pas. Hein. Je fais pas ça. Donc j'ai pris amande en poudre, voilà, noisette et amande grillée, j'ai pas oublié, mais j'ai mis amande grillée. Voilà, et des noisettes. Voilà. Donc j'ai mis tout ça, du beurre. Les œufs, et hop, ça commence. Donc là, maintenant, j'en suis au deuxième stade. J'ai fait le beurre. On ne plus que les œufs. Hop, on ne s'embête pas à faire des beaux oignons, je m'en fiche. Hop là. Là, des morceaux de beurre qui sont peut-être pas fondus comme il faut. Là. Beurre mou. Beurre mou. Faut ramollir. Voilà. Alors la galette des rois, ça, spécialité de l'année dernière, j'ai vu. J'ai tout signal. Génial, génial. Voilà. Alors ça, hop. Ça, c'est donc mon petit mélange. Hop, la moitié. Tu l'as remis un peu. Hop. On essaie de ne pas en mettre partout. On essaie de ne pas en mettre partout. En plus, on met encore un petit peu de sous le et tout. Faut tout mettre. On met tout. Ah, c'est pas compliqué les doigts. Vous avez 100, 100, 100. On rajoute un peu. Voilà. Après pour le chocolat, il faut changer un peu. Voilà, le chocolat, c'est pas la même chose. Voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça. Un magnifique appareil. Il manque quelque chose, vous voyez pas? Moi, je vais vous dire ce qui manque. Du quoi? Là, il manque quoi? Un truc sympa, hein? Du chocolat, les gars. Du chocolat. J'arrive. Voilà, quelques barres de chocolat, il n'y a pas que 3, hein. Voilà. Yep. On the gas, yep. Ça va faire un bon petit truc, je vous dis en tout cas moi j'ai chaud là, marche. Ça y est. Est-ce cuit? Est-ce chaud? Est-ce moult bon? Ça va être super. Regardez. Là, je me moque pas. Hein. C'est que. Des fois, je sais pas toujours trop bien quoi faire quand on rentre. Hein. Pour attirer le chaland, comme on dit. Non, c'est pas ça. Mais... Montrer de l'intérêt à tout ça. Hop,
ça que c'est beau. Alors on voit que l'appareil est un petit peu crémeux. Et bien c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, on va mettre un tout petit peu plus d'amande. Vous voyez ? On va rajouter un peu d'amande. Un peu plus de corps, c'est plus facile à mettre en poche. Vous voyez ce que je veux dire par la poche? Parce qu'après, il faut mettre ça en poche, une douille, machin, etc. Enfin bon, je vais me débrouiller, on va voir. J'ai pas tout. Alors, j'ai pas tout. Je parle en outil, hein, pas tout. Mais en recette, j'ai rien. Recette, j'ai zéro recette. C'est moi qui fais les recettes. On s'amuse comme on peut, hein. C'est moi qui fais les recettes. Voilà. On se flatte comme on peut aussi. Voilà. Donc ça, on va poser là. On va essayer de faire ça propre ici autour. Hein. Super. C'est pas une magique. Ça, maintenant, troisième étape. Une jolie petite poche qu'on va remplir immédiatement et sans délai. Et sans délai. Et grosse cuillère, ce n'est pas une cuillère que je prends, oui. Carrément la grosse spatule. Hop là. Après, on va mettre ça au frais pendant une heure, une demi-heure. On peut s'assister un peu, que ce soit plus joli. Après, plus facile à poser. Pas mal, hein, mais c'est bien après, c'est pas assez épais. C'est un peu épais, mais c'est bien après, c'est bien après. On va voir ça. C'est comme des pochons, ça. Exprès pour l'occasion. Il en reste encore un peu. La technique. Monsieur, il a tout mis. Voilà. J'ai tout mis. La technique, c'est tout. Voilà. Allez. Ah, da 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 da.